Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro 2 de Fast Attack, le tuto des escrocs. Aujourd'hui on va s'intéresser à la légion pénitentiaire de l'Astra Militarum et surtout comment peindre correctement une volée de figurines dans un minimum de temps. Alors niveau matériel, pour ce tuto vous allez avoir besoin d'un orange, ici c'est le Phoenix Orange Intensity de chez Green Stuff World, le Fuegan Orange de Citadel et le Lavado Rojo Wash de chez Valero en gamme color. Pour les cuirs, le shade sera en Intensity Walnut Brown de chez Green Stuff World et pour les chairs, le shade ce sera le Pecatum Flesh de chez Green Stuff World également. Au niveau des métalliques, du Scale 75, le Black Metal, également le Trash Metal de chez Scale. Et bien sûr un petit peu de Nuln Oil de chez Citadel, ça sert toujours. Pour les arêtes de l'acier, le Necron Compound en dry de chez Citadel. Et pour le cuir, le Gobi Brown de chez Scale 75. Alors, voici la première figurine, c'est un Cadia sauvé d'eBay, on a juste enlevé la tête. Passer au bronzer et re-sous-coucher en blanc. Sous-coucher avec la primaire One Shot de chez MIG, qui est pour moi quasiment la meilleure sous-couche à appliquer à l'héros. C'est l'heure de commencer. On va commencer pour le orange, pour les textiles. Il s'agit d'utiliser le Intensity Phoenix Orange de chez Green Stuff World. C'est une encre plutôt transparente, donc à poser sur une sous-couche claire. Là, on va pas faire dans le détail, on n'a pas besoin. Le but du jeu, c'est de faire de la figurine en masse et pas de gagner un Golden Demon. Donc il s'agit de tartiner, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, toutes les parties textiles, et on va pas se priver sur la quantité. Faut pas oublier que cette méthode de peinture, elle est surtout faite pour faire de la masse, et donc pour faire les figurines à la chaîne. Certes, c'est pas le plus amusant, mais en tout cas ce sera le plus rentable au niveau temps passé. Voilà, donc il s'agit vraiment de partout où on a du textile. Donc là c'est la veste de combat, le pantalon et le col, bien sûr pour oublier le col. Voilà, maintenant on a fini la première couche, quasiment. Ça nous a pris 10 secondes. Pour 40 figurines, ça nous fait 400 secondes, on est pas mal. Il s'agit de s'assurer qu'il ne manque pas d'orange quelque part. Une fois qu'on est bon, on passe à la figurine suivante. Parce que c'est une technique de peinture qui demande beaucoup de séchage, j'ai préparé les autres étapes. Allez, je suis délicat comme garçon. Donc la seconde étape, ça va être de faire les métalliques. Donc là, c'est le Black Metal de chez Scale, que j'aime beaucoup parce que ça fait un métal vraiment foncé, et puis qu'en plus, il porte le nom d'une musique sympatoche. Et je le dilue un petit peu, donc ça c'est un diluant pour acrylique spécifique de chez AK, d'autres marques le font, je préfère utiliser ça plutôt que de l'eau. Voilà, donc il s'agit de diluer un petit peu et de gagner en fluidité, puisque c'est vrai que les métalliques Scale sont un peu épais. Et là, on tartine tout ce qui sera couleur acier. Il n'y a pas de difficulté, on peut même déborder un peu, ça se rattrape assez facilement. Alors quand je dis déborder un peu, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut peindre votre figurine avec une brosse de 12. Bon, le fusil c'est fait. Les épaules, donc là j'avais pris un peu trop de diluant, donc on voit les coups de pinceau, il faudra penser à la rattraper. Deuxième plaque d'épaule et après le gilet. Pas de difficulté à proprement parler. Tout à l'heure je vous avais dit qu'on pouvait déborder un petit peu et que c'était facile à rattraper, c'est le cas, j'ai débordé sur le col. Donc du coup, nettoyez le pinceau à l'eau, ajoutez de l'eau à l'endroit où c'est débordé, essuyez le pinceau et réabsorbez les pigments. Et voilà, ni vu ni vu. Du coup, on finit le gilet tranquillement, après l'équipement de ceinture, et il faudra que ça sèche. Donc on passe à la figurine suivante ensuite. Alors j'ai bien conscience que la peinture à la chaîne c'est vraiment pas le plus amusant. Par contre, ce qui est amusant, c'est d'une partie à l'autre de sortir 40 piétons de plus par rapport à l'armée d'avant. C'est vrai que l'adversaire s'y attend pas forcément et c'est toujours amusant dans sa réaction. Là j'avais dit que j'avais pris un petit peu trop de diluant, c'est vrai, donc on voit les coups de pinceau, on corrige vite fait. Après c'est qu'une première couche, si vous voulez en mettre une deuxième, libre à vous. Vu qu'il y a d'autres traitements pour la métallique qui suivent dans le tuto, en soi c'est pas nécessaire. Hop, la boucle de ceinture, hein, c'est vrai qu'elle est toujours mal placée sur les figurines de Cadia. On me dit dans l'oreillette, oui, pourquoi pas. Mais non, c'est vrai que systématiquement, les boucles de ceinture cadiennes, elles sont derrière les fusils. Et c'est toujours un peu difficile d'accès. Donc là, j'ai changé de taille de pinceau, hein, parce que bon, le 2 pour faire la gourde, c'était un peu trop, on va pas se mentir. Donc là, je suis au 0. Je finis les petites retouches. Et il n'y a plus qu'à laisser sécher. Alors l'étape suivante, il y avait un truc à corriger. Voilà. Hop. Donc l'étape suivante, c'est l'étape qui va nous intéresser, c'est comment rendre ce orange clair, tirant légèrement sur le jaune, dans un orange plus crédible pour une légion pénitentiaire, un peu au format... uniforme de prisonniers américains sur le bord des routes, comme on peut le voir dans les séries, des films ou les documentaires. Donc là, il nous faut le Fuegan Orange et 2 gouttes de OH rouge, parce que ça a l'air que l'orange s'assombrit mieux au rouge qu'au marron. Voilà. Et un petit peu de diluant, donc si vous n'en avez pas, vous pouvez faire l'eau distillée, pour rendre le mélange plus fluide, de façon à ce qu'il rentre mieux dans les creux. Là, je l'étale sur la palette pour que vous voyez, on est vraiment sur un orange rouille. Hop, et vous voyez comment ça se comporte. Ça se répand immédiatement dans les creux. Allez, délicat. Allez, 2 fois. Donc là, on repasse toutes les parties textiles. Partout. Alors dans ce tuto-là, on utilise un orange. Rien n'empêche d'appliquer la même technique ou la même stratégie, comme vous voulez, pour d'autres couleurs vives. Hein, pourquoi pas du rouge, un vert un peu fluo, pourquoi pas. Et voilà, là on commence à avoir un orange vraiment plus sympa. On voit la différence entre les 2 étapes quand même. Là, il y a un peu d'excédent. Bon, et bien pour éviter le temps de séchage sur la vidéo, il y en a un autre de près. Et donc là, on va travailler sur l'acier. Dans un premier temps, du Nuln Oil. Parce que sur l'acier ça marche toujours très très bien. Se mentir, c'est l'un des meilleurs shades de Citadel. Et avec le Black Metal de chez Scale, on a vraiment un acier très noir après. Hop, Voilà, moi j'aime bien cet acier-là, partir sur une base comme ça avant de le traiter avec d'autres peintures pour obtenir ensuite l'effet acier, ou pourquoi pas le laisser comme ça, si on veut un acier un peu... Enfin, en tout cas vraiment sombre, quoi, pour du mécanique plus par exemple. Voilà, c'est pas difficile à utiliser le Nuln Oil. C'est pas la version gloss que j'utilise. Je sais qu'il y a une version gloss qui existe en tout cas, créée par Games Workshop. Perso, je ne m'en sers pas du tout. Là, je vais attaquer les cuirs avec le Gobi Brown de chez Scale 75. Peinture très épaisse encore une fois, donc il faut toujours un petit peu la diluer. C'est vrai pour toutes les peintures, mais vraiment pour les scales, c'est absolument nécessaire. Voilà, là on a quand même un truc un peu plus fluide et beaucoup plus sympa à étaler. Bon ben là, sans trop dépasser, il s'agit de tartiner les parties qui seront couleur cuir, ni plus ni moins. Alors ça c'est la partie que j'aime pas trop faire les Rangers. C'est vrai, quand on en a 40 à faire, 40 paires de pompes, c'est long. Clairement, c'est vraiment pas la partie que je préfère. Et donc en cuir, l'équipement de ceinture, voilà, donc le porte-baïonnette, enfin le fourreau de la baïonnette pour être exact, la pochette chargeur de l'arrière et le système de fixation de la gourde. Voilà. En faisant un peu attention où on applique la peinture. Alors il y a des lanières en cuir aussi au niveau du gilet par balle du Cadia, donc moi je l'ai fait, libre à vous de les faire ou non. Voilà, retoucher quand c'est nécessaire. Et voilà, ça c'est la première couche pour le cuir. La deuxième sera simplement un shade, parce que ça suffit, encore une fois, quand il s'agit de figurines qui passent assez peu de temps sur la table parce qu'elles ont une sauvegarde de t-shirt. Voilà, la ceinture. Là j'ai pris un pinceau fin parce que bon, la ceinture est quand même assez petite et au moins au 000, ça m'évite de faire des pâtés. Une petite retouche d'acier par-ci par-là, les bordures d'épaulettes mal faites. C'est toujours l'occasion de revenir sur une étape précédente si quelque chose vous attire l'œil. Une boucle de ceinture. Elle rend pas facile d'accès. Alors là je prends un petit peu de blanc, j'en ai pas parlé au début puisque c'était pas prévu, mais effectivement il faut toucher un peu les mains, à force de tartiner on déborde un peu, donc du coup les mains je les remets en blanc pour le traitement cher ensuite, donc hop, gommer un peu tout l'acier qui a pu aller dessus, et l'orange parfois. Donc voilà, là je décide de le faire bien en face de la caméra, c'est bien pratique. Et ça me demande un peu plus d'attention, donc forcément je me rapproche de la figurine, voilà. Et donc je finis de retoucher les mains en blanc. Voilà, il y a du orange sur celle-ci. Et voilà. Alors il s'agit d'appliquer maintenant le Trash Metal de chez Scale 75, donc avec un bon vieux pinceau à brossage. Il ne s'agit pas de faire un brossage à sec sur celle-ci, mais plutôt de tamponner avec un pinceau encore humide pour apporter de la texture sur ce qui va être les différentes parties acier. Voilà, donc on peut tamponner. Vous n'avez pas trop essuyé votre pinceau. Voilà, en tamponnant, ça dépose. Là, ce serait pour un brossage à sec. Voilà, on tamponne, on essuie un tout petit peu. On essuie un tout petit peu. Et dès qu'on a assez de peinture sur le pinceau, c'est parti, on tamponne. Et voilà. Et très vite, on apporte plus de texture sur les différents aplats. Et on a quelque chose de plus crédible en acier. Un peu partout, que ce soit autant le fusil que le gilet. Même la gourde. Et voilà. Et donc là, on a déjà deux teintes différentes sur l'acier. Et déjà, c'est sympa. Et pourtant, c'est pas filmé. Après, fonction du temps que vous voulez passer à faire les figurines, libre à vous de mettre mon étape. Donc là, je retouche un peu le orange, parce que ça me semble un peu différent sur la figurine, par endroit. Et du coup, hop, 2-3 petits coups de ce mélange orange-rouge en shade. Pareil, il faisait chaud ces derniers temps, donc il a déjà un peu épaissi, mais ça permet quand même de retoucher le orange et d'avoir quelque chose de plus proche de son copain d'à côté. Bien, maintenant il va falloir traiter au shade les différentes parties cuir. Donc là c'est le Walnut Brown de chez Green Stuff World. Vous allez voir la différence. À l'œil, pour l'instant sur la palette, vous voyez pas la différence avec le Nuln Oil qui était à côté. Pourtant vous allez vite voir, là, le Nuln Oil est noir, alors que le Walnut Brown est légèrement vert, et c'est ce qui va nous intéresser pour le cuir. Bon bah une fois n'est pas coutume, c'est pas forcément dans la finesse. Hop, et c'est parti. On tartine. L'intérêt du Walnut Brown, c'est que dès qu'il commence à être un petit peu en excès, il vire au noir, donc du coup il apporte des ombres qui passent un peu partout. Donc bon, je dis pas qu'il faut déborder partout, mais bon, vous pouvez ne pas forcément apporter trop d'attention à cette étape là. Pour faire des bottes qui seront après noyées dans le socle à l'énigme. Voilà, taf, voilà, hop. Pour les bottes, je disais noyées dans le socle, bon bah, c'est pas trop grave. On va voir ce que ça donne une fois sec. Donc on a quand même voilà, des reflets noirs, des reflets un peu verts, on a un peu plus de texture sur le cuir. On pourra toujours ajouter des griffures si on veut, là pour l'occurrence je ne le fais pas. On tourne sur le traitement du métallique avec le Necron Compound de chez Citadel qui est un dry. Donc là on est vraiment sur un brossage à sec pour faire les arêtes et donc principalement de haut en bas pour apporter de la lumière. Voilà, et quelques griffures par-ci par-là sur l'acier. Ça va vite comme étape. Ça se fait bien une fois que les 30 ou 40 figurines sont quasiment à la fin. Ça fait plaisir parce que ça apporte. Ça fait une vraie différence en très très peu de temps. Voilà, donc les arêtes, supérieures surtout. Pas de difficulté particulière jusqu'à présent. On passe au traitement de la chair, donc là c'est le Pecatum Flesh de chez Green Stuff World. Donc encore une fois c'est une Intensity, donc c'est une encre. Hop, sans dilution. On va appliquer ça sans trop forcer quand même sur les parties blanches qui doivent être couleur chair. Donc là en l'occurrence les mains. Voilà, ça commence, c'est déjà sympa. Après je trouve que c'est toujours un peu trop rouge. Donc la solution ensuite est d'apporter un peu plus de lumière avec un très léger mélange. Et voilà, un tout petit peu de blanc, une toute petite pointe, un tout petit peu d'encre sur le pinceau, et hop, et on se retrouve avec un blanc très légèrement rosé qui fera de magnifiques zones de lumière sur les mains. Alors là, c'est pas tout à fait sec au niveau des mains, c'est fait exprès, ça se mélange un peu, c'est un éclaircissement dans le frais. C'est peut-être le point le plus difficile du tuto, je pense. Donc on est quand même, c'est pas un tuto très difficile, c'est plutôt accessible à tout le monde. N'hésitez pas, surtout envoyez les photos de ce que vous avez pu faire avec ça. Moi je serai toujours content de voir ce que ça donne. 40k Wargamers avec un STV, on sera ravis de vous répondre et de voir les résultats surtout. Alors là je corrige un petit peu encore une fois l'orange parce qu'il me paraît un petit peu fade, donc du coup je rajoute un peu de rouge dans les ombres. Ça, faut pas hésiter à le faire, si ça permet éventuellement d'harmoniser l'uniforme quasiment à la fin en tout cas de la peinture de la série de figurines. Encore une fois je le rappelle, il ne s'agit pas de faire de la figurine de concours, il s'agit de faire une armée avec énormément de troupes, en tout cas populeuses, dans un temps pas record mais en tout cas assez court. Bon alors voilà, donc la figurine terminée. Qu'est-ce que j'ai ajouté moi? J'ai ajouté un tout petit peu de weathering à base de pigments et d'huile. Ça fera l'objet d'un tuto prochainement. Le soclage, bon, là c'est relativement simple, mais je ferai aussi un tuto soclage. N'hésitez pas à demander si vous voulez un type de soclage particulier. Et j'ai ajouté également une tête. Donc là c'est une tête de tube Genestealer qui traînait parce que j'ai une armée de tubes Genestealer en cours de montage. Donc j'ai une méthode pour faire plein de visages assez rapidement, je vous le montrerai dans un tuto avec plaisir. Si vous avez suivi le tuto et que vous avez produit des figurines avec, surtout, je le répète, envoyez-les sur le Facebook de la chaîne, on se fera un plaisir de les commenter. C'est la fin du deuxième numéro de Fast Attack, le tuto des escrocs. N'oubliez pas de liker, de vous abonner ou de partager la vidéo. On se retrouve très bientôt pour d'autres tutos escrocs, parce que peindre bien, c'est bien, mais peindre plein, c'est beaucoup mieux.